recoiffe. Il y a du vent. Bonjour à tous. Lol. Nous sommes jeudi 1er août 2019. Il est 9h30 du matin. Je vous vlog dehors. Il fait un temps magnifique. J'ai mon café là-bas. Est-ce qu'il va? Voilà, regardez. Hop. Il prévoit un méga beau temps. Il prévoit bon cet après-midi. Ce matin, il fait un peu frais. Mais juste ce qu'il faut pour être bien. Voilà, voilà. Aujourd'hui, David est en télétravail. Voilà. Donc il bosse. Et moi, je glande. Ça aussi que j'ouvre dehors, bon, déjà parce qu'il fait bon, puis j'ouvre pas dans le salon parce que je vais pas le déranger. Oh, il y a un chat, merde. Voilà mon chien. T'es nouveau toi, je te connais pas. Il a un collier. Alors? T'as peur? Est-ce que t'as peur? Hello? Ça va mon cher, est-ce que t'as peur? Ah oui. Comment il s'en va de là? Est-ce qu'il va escalader? Je veux pas la pleurer. Ah bah il y a un trou. Ah bah il est passé là. Il a réussi à se faufiler là. Il y a un espace. Je vous ai dit, il y a toujours plein de chats qui passent chez moi et celui-là je l'avais jamais vu. Hop. Du coup, je me rappelle même plus ce que je disais. Comme d'habitude, à chaque fois que je suis interrompue par quelque chose, j'oublie ce que je dis. Donc David est en télétravail, donc il squatte le salon. Moi je vais squatter le jardin, mon bureau et puis ma machine à laver. J'ai lancé une machine à laver ce matin. Voilà. Il fait très beau. Oh, j'adore. J'aime bien mon jardin quand même. C'est petit, hein, mais j'aime bien. On s'y sent bien. Donc le programme de la journée, bah aujourd'hui il va rien se passer du tout. J'ai rien prévu de spécial. Si j'arrive à motiver, j'irai bien faire un petit tour à pied. Histoire de garder la forme. Genre. Non mais histoire de. Voilà quoi. Ça serait bien cool. Mais à la limite, ça serait peut-être mieux que je le fasse ce matin parce que cet après-midi, il prévoit quand même qu'il fasse chaud. Je vais voir ce que je fais. Alexis vient de se lever. David s'est levé il y a un moment puisqu'il est au travail. Je crois que cette intro est un peu chaotique. C'est les intros dignes des gens qui savent pas quoi dire. Voilà. Bon, je vous laisse, je vous reprends après. Voilà. Il est 11h à peu près. Je regarde juste s'il est. Non, pas encore. Et je vais faire ma petite balade. Il fait déjà super chaud. J'ai un truc à emmener à la poste. Donc j'en profite, j'y vais à pied. Donc c'est pas loin. Et puis voilà, donc je fais une petite promenade. Tranquillou. En fait, j'étais déjà partie quand je me suis rendu compte, en voulant filmer, que j'avais pas mis la carte mémoire. Donc je suis revenue. Bravo. Donc voilà. C'est cool. Je pense qu'aujourd'hui la journée elle va être. Il va rien se passer. Hein. Franchement, à mon avis. Donc voilà. C'est parti. Et je suis sorti de la poste. Ce qui est bien, c'est que. Bon, dans ces périodes-là, déjà c'est ouvert. Parce que c'est une petite poste. Et il y en a une grande plus près de la mairie. Voilà. C'est par là. Ce qui est bien, c'est que personne. C'est vraiment désert. En même temps, c'est agréable. Du coup, je fais un petit détour pour rentrer, pour faire une petite promenade quand même. Voilà, histoire de m'aérer la tête. Alors, je fais avec mon appareil photo, les gens ils vont se demander ce que je fous, parce que, en fait, quand je fais la Ciotat à Marseille, Paris, ça achète personne, parce que, voilà, ça fait touriste et tout ça, quoi. Mais là, dans ma ville, ma petite ville, je peux pas aller faire touriste, quoique. Enfin bon, c'est pas grave. Tant pis. Tant que je croise personne que je connais qui se dit bah, qu'est-ce que tu fais? Bah rien.
Voilà. J'aime bien, c'est mignon. Après, ça n'a rien à voir avec les paysages de la mer, hein, ça, on est bien d'accord. L'eau est bien verte. Mais alors, verte de chez verte, quoi. Des fois, il y a des pêcheurs, là, sur le ponton, ou en face. Bon, là, il n'y a personne. Donc, voilà. C'est sympa, moi, je trouve. Bon, c'est petit, hein. Je vous l'ai déjà montré 150 fois, en plus. Donc, je pense que je vais juste faire le tour, et puis je vais arrêter de filmer. Et puis, voilà, quoi. C'est juste pour moi. Petit pépère. Oh, il y a plein de chats. Vous allez pas vous battre, hein? Hey, pst. Vous battez pas. Allez. Laisse-le tranquille. Allez, pousse-toi. Allez, pousse-toi. Hop. Hello tout le monde, je vous reprends pour la suite du vlog. J'ai pas refilmé hier après ma petite promenade et après l'épisode des chats, me semble-t-il. Tout simplement parce que j'ai rien à filmer. J'ai rien fait du tout. Alors le midi, on s'est fait un barbecue. D'ailleurs, on a mangé des courgettes du jardin, trop bonnes. On les a fait juste revenir dans un petit peu d'huile d'olive. Elles étaient légèrement, fondantes et caramélisées. Et elles avaient un petit goût sucré. Enfin, un régal, un délice. Franchement. Franchement, trop bonnes. Les tomates. On mange quelques tomates. Alors, elles sont petites en taille, mais ce n'est pas des tomates cerises, c'est des tomates normales. Certaines ont un... Certaines, elles n'ont pas toutes le même goût, elles ont certaines un goût plus prononcé que d'autres, plus sucré, moins sucré, certaines ont moins de goût, enfin bref, c'est la loterie quoi. Mais voilà, c'est bien agréable, c'est assez sympa, bon on n'a pas non plus des milliards, mais voilà, c'est cool. Voilà, voilà, et puis hier après-midi, bah, j'ai rien fait de spécial, tout simplement, voilà. D'ailleurs, sur YouTube, mes copines ont déserté YouTube, enfin celles qui mettent des vlogs en tout cas, et du coup, bah, je suis un peu démunie, alors que j'ai du temps. C'est toujours comme ça, quand j'ai pas de temps, bah, y en a plein, et quand j'ai du temps, il n'y en a pas. Donc voilà, bref. Je vais peut-être essayer ma petite tenue de mariage pour vous montrer la robe, parce que vous êtes plusieurs à me l'avoir demandé, et que effectivement dans le hall, on voyait pas bien, enfin, on se rend pas bien compte, surtout qu'elle est longue. Donc je vais essayer de faire ça. Voilà, vous voyez que la tenue de mariage, c'est très difficile parce que j'ai pas beaucoup de recul pour me prendre. Je pourrais faire ça dans le jardin, mais comme la voisine, il y a deux voisines qui sont là, elles vont trouver ça bizarre. Très difficile à vous montrer. J'ai acheté des petites sandalettes, comme ceci. Donc elles ont, oups, des petits talons compensés. Voilà. Hop. Il y a le chapeau et j'ai un petit sac doré. Bon, après, je vais. Voilà. C'est vraiment difficile de vous montrer. Parce que surtout qu'elle est longue. Très dur. Je sais pas si moi elle a bien marché, mais bon, une bonne chose de faite. Le programme du jour, sinon, c'est, bah voilà, ça va être tranquille aujourd'hui. J'ai pas grand chose à faire aujourd'hui, hein. J'ai rien de prévu, hormis que Alexis va chez mes parents
Et à l'heure qu'il est là ce matin, je ne sais toujours pas si c'est moi qui l'emmène ou si c'est mes parents qui viennent le chercher cet après-midi. De toute façon, ça sera dans l'après-midi, ça c'est certain. Mais je ne sais pas encore qui va où. Voilà. Il va faire super beau encore aujourd'hui. Ça va être super agréable. J'ai une lessive qui tourne. Et puis voilà. Il est tôt hein, ce matin. Je me suis levée super tôt. Enfin, quelqu'un qui est en vacances. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc voilà, c'est mon dernier jour de vacances. Bon, j'ai encore samedi, dimanche, mais lundi, je reprends le boulot. Voilà, ça va me faire bizarre. Après 3 semaines, en plus, j'ai l'impression que j'ai oublié mon mot de passe de PC. J'arrive pas à m'en souvenir. Je vais essayer de l'ouvrir, là, de me connecter, voir si je m'en souviens. Parce que dans mes souvenirs, je l'avais changé avant de partir. Ce qu'il ne faut jamais faire parce que on s'en souvient pas. Quand c'est trop proche des vacances. Donc voilà. En fait, j'arrive pas à me savoir si je l'ai fait. Enfin bref, faut que j'essaye. Sinon quoi? Sinon voilà, oh, ouais, rien de prévu aujourd'hui, donc ça va être encore ultra plat. Et puis oui, donc il va falloir que vous vous habituiez à ce que la semaine prochaine, bah, je vais trop bosser. Donc déjà que là, les vlogs commençaient à... voilà, ça va être beaucoup plus calme. Hein. Voilà. Oui, demain, je sais même plus ce que je dis. Demain, normalement, donc samedi, on va très certainement avec David, comme on est tous les deux, aller se faire un petit tour sur Paris, une petite promenade à Paris. À Paris. Et voilà. Et dimanche, on ne sait pas, rien de spécial. Puis ouais, après le boulot, enfin. Voilà. Donc j'ai eu la même date de déménagement pour mon nouveau lieu de travail, donc pour celle qui. Je ne saurais pas, je garde mon travail actuel, mais je change de lieu de travail. Je vais dans le. Actuellement, je suis dans le 78 et je vais travailler dans le 92, ce qui me fait assez loin. C'est pas très loin en termes de trajet, pas tant de 7 km, mais en termes de bouchons, c'est. C'est bref, c'est l'enfer. Et donc, voilà, donc je déménagerai. Alors, pas de ma maison, mais mon lieu de travail le 16 septembre. Voilà, et normalement, on passe une journée là-bas complète le 6. Voilà, pour prendre nos marques. Ça va être un sacré truc, ça. J'ai commandé ma vignette critère, parce que moi, je l'avais toujours pas. Donc, c'est la vignette pour les grandes villes, hein, Paris, Marseille, tout ça. Donc, moi, avec ma voiture qui est vieille, je suis en 3. Ça veut dire que quand il y a de la pollution, par exemple, je ne peux pas rouler à Paris. Comme il y a eu la canicule et tout ça, là, j'aurais pas eu le droit de rouler à Paris. Je ne l'avais pas prise, parce que quand on va à Paris, on utilise toujours la voiture de David. Le Qashqai, et j'avais jamais l'occasion d'aller à Paris avec ma voiture, donc après c'est pas le prix que ça coûte, ça m'a coûté 3,62€ la vignette, hein, c'est pas un problème de prix, c'était que je sais pas, je l'avais jamais fait quoi. David lui il est 2 encore, niveau 2, donc voilà, il peut rouler, donc voilà, donc on va voir comment on s'organise, parce que moi quand je vais avoir des, quand il y aura des pics de pollution, j'aurai pas le droit d'aller sur le travail, ça va être sympathique. Bref, donc je prendrai certainement la voiture de David, enfin je sais pas encore. Comment je vais pouvoir faire. Bref, voilà, je rachète une nouvelle voiture. Allez, à plus tard. Je vous reprends, il est pas loin de midi. Et donc, c'est mes parents qui viennent me chercher Alexis en fin d'après-midi, tout compte fait. Voilà, donc je sais pas trop vers quel... Enfin, ils me préviennent quand ils partent. Donc ça sera, à mon avis, pas avant 16h30, 17h. 17h30, enfin, dans ces eaux-là. Donc voilà. Bon, ça va, elle est avec mes parents, mais. Bref. Après, il sera avec son père à partir du 12 août. Quant à moi, je vais préparer un. Je vais préparer rien du tout. Je vais commander du Jap pour Alexis et moi. Ça fait super longtemps qu'on n'a pas mangé. Par contre, je vais pas me faire de poisson cru. Moi, dans le poisson cru, déjà, c'est vraiment le saumon mon préféré. Mais là, je vais me faire des brochettes, puis je vais me faire des gyoza. Vous savez, les raviolis japonais, je trouve ça trop bon. Donc, bah, je vais commander ça. Et puis, comme ça, on l'aura pour les limites, moins le quart, presque. J'ai déjà super faim. J'espère que c'est ouvert, en fait, parce que je ne sais même pas s'ils sont là pour les vacances. Ça se trouve, c'est fermé, d'ailleurs. Mais là, on est dans la merde basse, si c'est fermé. Mais bon...
Oui, bonjour, ce serait pour passer une commande pour une livraison à domicile, s'il vous plaît. Ça m'a raccroché au nez. Bon, je réessaye. Allô? Oui, bonjour, je vous appelle pour passer une commande pour une livraison à domicile, s'il vous plaît. Allô? Je crois qu'elle m'entend pas. C'est très bizarre. Ça doit être leur téléphone. Je peux t'appeler avec mon fixe. Je sais pas si je vais y arriver, je vais aller. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, je vous appelle pour passer une commande pour une livraison à domicile, s'il vous plaît. Ah, vous n'êtes pas ouvert ce midi? D'accord, bon, bah, c'est pas grave, merci. Au revoir. Ils ont ouvert que ce soir. C'est génial. Déçu, mais c'est un truc de fou. J'avais déjà le goût en bouche, en fait. C'est bon. Du coup, ce midi, on va faire ça. Bon, je vais pas la faire tout de suite parce que. Quelle heure il est? Combien de temps c'est ça? 7 minutes préchauffées à faire la mousse à 7. Donc, comme c'est pizza chèvre lardon. Oula. Moi, on rajoute du miel sur la chèvre. C'est trop trop bon. Oh, mais je suis dégoûtée quoi. C'est pas normal ça. C'est même carrément inadmissible. Eh ben. Voilà. Bon bah je vous laisse, hein. Voilà. Je vous reprends. Il est 7h moins le quart. Mes parents viennent de venir chercher Alexis. En fait, ils sont arrivés vers 5h30, puis du coup David est arrivé en même temps du boulot et rentré plus tôt. Comme on est. Enfin, je sais pas pourquoi en fait. Du coup, on a pris un petit apéro ensemble, tôt, mais bon. C'était bien sympathique. Et mon fils est parti, voilà. Je vais pas le voir dans 4 semaines. Ça va être long, hein. Je vous assure que bon, je vais avoir des nouvelles régulièrement. Du moins, je sais quand il sera avec mes parents. J'espère que. J'en aurai aussi quand il sera avec son père. Je pense que oui. Et puis voilà. J'ai super hâte de. J'ai hâte qu'on aille à Paris demain. Voilà. Ça va être sympathique, je pense. On va se faire un petit resto là-bas. On va sûrement aller vers la Tour Eiffel, le pont Alexandre III, les Champs-Élysées. Donc je vous ai déjà filmé ça 150 milliards de fois, je pense. Mais bon, voilà, je vous referai un petit tour de Paris quand même. Je pense que je vais clôturer ce vlog qui va commencer par, du coup, comme il y a 2 jours, peut-être être un peu long. Donc je vous fais de gros bisous, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.